Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, en Tunisie, particulièrement ici à Sidi Bou Saïd. C'est toujours magnifique, on va en parler. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio d'une plage de Tunisie. Nous sommes ici à Gamart, pas loin de Tunis. Alors, la Tunisie, c'est un pays que je connais assez bien puisque j'y ai travaillé dans les années 90. On avait travaillé aux berges du lac pour développer Oracle ici dans la région, aider nos distributeurs sur place. Salut à nos amis de BMI Informatique. Nous avons travaillé évidemment à travers... sur toutes les grandes entreprises, les ministères, etc. Donc je connais un peu le pays. Et puis, à chaque voyage, j'essayais de prolonger un petit peu. Alors il m'est arrivé, avec ma femme à l'époque, de prendre quelques week-ends ou quelques vacances supplémentaires. Donc j'ai sillonné le pays, Sousse, Sfax, pas Djerba, c'est le seul coin que je connais pas. Tataouine, le Chott El Derib, Tozeur, on est remonté, Kairouan, tout ça, les montagnes. Et puis bien sûr... C'est à Tunis où j'ai tous mes amis ici, avec qui j'ai eu le plaisir cette semaine que j'ai eu le plaisir de revoir. Et nous sommes allés évidemment à Carthage, à Goulette, Sidi Bou Saïd. Les bombolones, ils sont toujours extraordinaires et très mauvais pour ma ligne. Et c'est un pays que j'apprécie pour des raisons, voilà, de culture et d'expérience professionnelle et privée, avec beaucoup d'amis ici que je rencontre parfois en Suisse, mais que j'ai eu le plaisir de revoir pendant ce voyage. Alors, ce voyage, bien sûr, était en fait dû à un mariage, un ami qui s'est marié avec une très jolie femme tunisienne. Ils habitent à Dubaï, mais ils sont venus ici, donc ça m'a permis de voir... c'est la première fois que je fais un mariage tunisien avec les tambours, les chansons, très très joli. Et puis après ce moment de bonheur que l'on espère durer toute la vie à nos amis, j'en ai profité pour rester quelques jours, me reposer ici à la plage avec ma fiancée. Nous sommes allés évidemment au souk, voir si on trouvait des tapis. Mais je crois qu'il faut que j'aille à Kairouan pour les meilleurs tapis de Tunisie. Et donner également une petite conférence dans une librairie superbe d'ailleurs, ici à Tunis. Et travailler avec Hichem, mon distributeur, mon revendeur et surtout l'éditeur de mon livre en version arabe et en version maghreb. Donc si vous cherchez, je mettrai le lien sous la vidéo, si vous cherchez un de mes livres, Survivre à l'effondrement économique, en version arabe avec la préface du cheikh Imran Hossein, et si vous voulez la version maghreb où il y a une postface particulière pour le Maghreb que j'ai faite et qui en plus est moins cher que la version française, eh bien vous pouvez le trouver sur le lien que je mettrai ci-dessous. Alors cette vidéo, je la tourne évidemment mi-juillet. Mais si vous la voyez sur YouTube, c'est que vous n'êtes pas membre de Patreon, et c'est sur Patreon que je la mets en ligne, bien avant que je la mette en ligne sur YouTube. Donc si vous l'avez sur YouTube, c'est que vous êtes probablement en septembre et vous l'avez eu un petit peu après. C'est pas très grave, on va pas parler de choses absolument vitales, mais on va parler aujourd'hui de comment la Tunisie peut faire face à l'effondrement économique qui vient.
et je vais développer quelques points que j'ai abordés lors de ma conférence à Tunis. Alors tout d'abord, la Tunisie est un lieu stratégique. Ici, vous avez ici vous avez Bizerte derrière moi. En face, si vous continuez quelques centaines de kilomètres, vous avez évidemment la Sardaigne. Et ici, derrière le Cap Bon, de ce côté-là, voilà, il y a la Sicile. Donc depuis la nuit des temps, depuis que les hommes naviguent en Méditerranée, ça fait un bout de temps quand même. Donc Carthage, etc. Ces détroits sont fondamentaux. Ils sont clés, et donc d'où les guerres puniques, etc. Et donc cet endroit stratégique reste important aujourd'hui. Les voies de communication seront peut-être encore plus importantes parce que les biens, les matières premières, etc., elles doivent passer à travers ce détroit. Certes, il y a des pipelines, mais on a vu que les Américains aiment bien les faire sauter. Donc pouvoir avoir les mers disponibles, ça, c'est quand même formidable. Et donc, la Tunisie est stratégique. Pendant longtemps, la stratégie était dans le giron des États-Unis, et ça se comprenait. Il y avait un sens à l'époque de Bourguiba et de Ben Ali, c'était des présidents, pour ceux qui ne connaissent pas, de la Tunisie. Il y avait un sens d'être aligné sur les États-Unis. Mais depuis une décennie en tout cas, le monde change et les États-Unis s'effondrent. Et donc la Tunisie doit faire attention de ne pas être, maquée avec le sol protecteur et de jouer un petit peu le monde multipolaire qui arrive, Chine, Russie peut-être. Et elle a un rôle à jouer, peut-être un rôle moins financier que la Libye à l'époque, mais un rôle peut-être de coordination de beaucoup de pays de la région saharienne. Parce que c'est un des dangers que traverse la Tunisie aujourd'hui, j'ai pu le voir, j'ai pu le constater par moi-même, il y a des régions de l'autre côté du Cap, enfin, de l'autre côté de au nord de Hammamet, je me souviens plus le nom de la ville, mais il y a des régions qui sont remplies de migrants qui attendent le passage pour aller à Lampedusa ou en Sicile, ou Pantelleria, tout ça. Et donc, ces centaines de milliers, peut-être des millions, d'Africains subsahariens qui ici, certains travaillent, d'autres ne font rien et d'autres posent des problèmes, font que la Tunisie, comme le Maroc, comme l'Algérie, sont en première ligne de la migration qui va de l'Afrique surpeuplée et qui continue à avoir une croissance démographique folle, bien qu'un tout petit peu moins qu'avant, vers l'Europe. D'ailleurs, la Tunisie a une démographie décroissante et une natalité qui est en train de décroître, ce qui l'amènera peut-être à avoir une démographie décroissante d'ici quelques décennies, ce qui pourrait stabiliser le pays, parce qu'aujourd'hui, c'est une force d'avoir beaucoup de jeunes, surtout s'ils peuvent être éduqués, mais il faut avoir le travail pour. Et la Tunisie, je pensais en fait qu'elle avait 9 millions d'habitants, mais elle en a 11, et on m'a dit. Et donc c'est beaucoup. C'est beaucoup, et il faut les faire travailler, il faut qu'il y ait de l'emploi. C'est pas toujours facile. Et c'est là où j'en viens aux opportunités, mais aussi aux dangers de l'économie. C'est que certes, la Tunisie est un grand pays agricole, mais j'ai discuté avec des pêcheurs et des gens au bord de la mer, justement dans ces villes. La pêche baisse, il y a moins de poissons dans la mer. Le n'est plus de la même qualité. Même le thon, le fameux thon qui fait la célébrité des grands plats tunisiens, n'est plus aussi disponible, n'est plus aussi facile à obtenir que dans le passé. Et donc, il y a du thon qui vient de Thaïlande, dans les supermarchés, et bon, voilà. On épuise les ressources piscicoles de la mer. Et ça, c'est dangereux. L'agriculture reste donc une force, et donc, on peut encore nourrir la population. Mais attention au renchérissement des prix, un des déclencheurs de cette révolution, de ce printemps de 2011, c'est bien 2011 ou 2010, tout d'un coup les années passent et on oublie les dates, c'est incroyable, avec les prix qui montent, ça devient difficile pour une population modeste de couvrir ses besoins. Et donc nous avons un risque, et surtout si les ressources de carburant venaient à manquer ou être moins facilement disponibles ou beaucoup plus chères, à continuer cette agriculture. Certes, le pays reste fertile, il y a de l'eau dans les montagnes, il y a un climat fantastique, bien qu'on me dise que la chaleur augmente un tout petit peu. Donc peut-être qu'ici, il y a un effet réchauffement climatique, je ne sais pas. En tout cas, en Suisse, il pleut en juillet et depuis mars. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on s'échange un petit peu de soleil de temps en temps. Il faudrait qu'on mette ça dans des containers et qu'on s'envoie quelques rayons de soleil. Et on échange, on envoie un peu de notre pluie qui est trop, trop forte.
Et donc l'agriculture reste une force de ce pays, et tant pour son autonomie alimentaire que pour l'exportation, et donc la balance des échanges commerciaux. La Tunisie reste une petite place financière, mais elle est quand même assez forte du fait de ses écoles techniques d'ingénieurs et d'informatique pour pas mal d'entreprises liées aux services informatiques. On avait vu le début de ça il y a 30 ans quand je travaillais ici, et c'est bien de voir que ça continue et que la croissance est là. Il y a une croissance immobilière, hein, de beaucoup de constructions, mais fort heureusement, elle n'est pas partie dans les folies avec des gratte-ciels dans tous les sens, du type, je sais pas, Jeddah ou Dubaï. Enfin, bon, c'est pas la force du coin. Le tourisme, en parlant de Dubaï, le tourisme reste un atout pour la Tunisie. Il y a effectivement un climat fantastique, probablement un tourisme qui serait à développer, et surtout dans les parties haut de gamme. Mais des coins comme évidemment Djerba en sud, semblerait-il, moi encore une fois c'est le seul coin que je ne connais pas, sont excellents, semblerait-il, et sont réputés. Il faut voir la qualité du touriste, si c'est du touriste bas de gamme qui vient en masse bouffer des buffets pas chers et repartir, ou est-ce que c'est un touriste qui vient dépenser beaucoup d'argent sur place. En tout cas, il y a une industrie. Cette industrie, elle a beaucoup souffert pendant la période du Covid et juste après, mais elle redémarre. Donc, espérons que ça aille bien. Alors, pour diriger la Tunisie, alors il y a eu pas mal de déceptions 10 ans après la Révolution, puisque finalement, la liberté politique, elle n'amène pas forcément la stabilité et la croissance économique. Ça, c'est la petite mauvaise surprise qu'il y a dans les révolutions en général. Néanmoins, on voit que les partis au pouvoir aujourd'hui. Alors là, c'est assez particulier, parce qu'on a un professeur de droit constitutionnel qui est président. Pardonnez-moi, je n'ai pas retenu le nom. Et qui, semblerait-il, est quelqu'un de très, très adroit, très malin, très compétent pour concentrer le pouvoir, pour se concentrer le pouvoir. Visiblement, c'est ce que j'ai compris. C'est un monsieur qui a réussi à concentrer le pouvoir en lui. Alors, ça peut être bien ou mauvais, ça dépend ce qu'il va en faire. Donc que va-t-il en faire? Nul ne sait prédire l'avenir. Espérons qu'il va savoir diriger le pays. Alors semblerait-il, c'est quelqu'un plutôt populiste. Dans ma bouche, c'est un compliment. Semblerait-il que c'est aussi quelqu'un qui veut jouer la Tunisie avec la multipolarité internationale et géopolitique. Donc c'est quelqu'un qui ouvre le pays, en tout cas diplomatiquement et politiquement, à des relations très fortes avec la Chine, autant que les États-Unis, autant que d'autres pays. La France, l'Europe, c'est habile si c'est le cas. Donc il faut souhaiter qu'il sache diriger le pays de manière adroite, de manière sage, et aussi de manière peut-être audacieuse dans d'autres thèmes, pour justement ne pas tomber dans ce qui a été pas mal de fois le cas dans l'histoire de la Tunisie, l'assujettissement à des grandes puissances. Ça a été le cas de l'Empire ottoman, ça a été le cas de la France, ça s'est plus ou moins bien passé, mais c'est pas ça être souverain. Donc je souhaite à la Tunisie d'être un pays souverain et capable de s'en sortir par lui-même, par elle-même. Alors la bonne nouvelle, c'est que, bien sûr, il y a encore beaucoup de pauvreté dans le pays, mais il y a aussi là, je vois les enfants de mes amis ici, quand je les ai connus, ils étaient tout jeunes, ils étaient à l'école, Et ils étudiaient, ils étaient des gens intelligents, et donc ils ont réussi leurs études. Et maintenant, je les retrouve, ils sont quarantaines, ils sont quarantenaires, c'est hallucinant. Et ils ont des bons métiers, ils sont architectes, ingénieurs, etc. Et donc, cette nouvelle force du pays a des métiers qui sont de haute valeur ajoutée. Alors certains font les allers-retours entre la France, le Canada, la Suisse et la Tunisie. D'autres ont tenté leur chance en Allemagne, mais sont revenus ou sont repartis. Et finalement, il y a ce côté international qui se met en place. Il y a ce côté, j'ai du talent, je vais le vendre là où je peux, mais mon cœur reste au pays, en Tunisie, et je reviens. Et on voit que cet ami
avec qui j'étais à l'école, qui s'est marié. On voit une forme, alors le mot métissage n'a pas lieu d'être, les Tunisiens ne sont pas une autre race, c'est un pays méditerranéen, c'est mes cousins, donc ils sont proches des Européens, enfin je veux dire, c'est la culture, elle est méditerranéenne, l'ethnie, elle est clairement, il y a du berbère, il y a de l'arabe, il y a de l'européen aussi. On voit qu'il y a des régions, c'est complètement européen, je défie quiconque, dans certains coins de Tunisie, de faire la différence entre... physiquement, comme ça, entre je sais pas, un Français, un Allemand et un Tunisien, ou un Italien encore plus. Donc il y a ce pont, ce pays qui peut être un pont entre l'Europe et le Maghreb, en tout cas le Moyen-Orient, a une carte à jouer. Malheureusement, avec l'effondrement des États-Unis, que je prévois donc dans mes livres, et je vous encourage à les lire si vous ne les avez pas lus, l'Europe va être emportée avec l'effondrement des États-Unis, alors plus ou moins en fonction des pays, mais ça va aller... très mal pour la plupart des pays européens. Et donc la question qui va se poser, c'est comment la Tunisie va être elle aussi emportée par cet effondrement des États-Unis et du monde de l'Empire américain. On voit aujourd'hui que c'est toutes les choses changent. On discutait beaucoup, par exemple, de la suicidaire attitude d'Israël depuis un an, même un peu plus d'un an, qui était un pays très bien positionné pour finalement arriver à la paix. Et qui, depuis une année, certaines élites malfaisantes, ne voulant pas la paix, ont plongé le pays dans une spirale catastrophique, qui peut-être, je ne crois pas que c'est un risque de disparition du pays, mais il en prend la voie. Et c'est très dangereux pour ce pays-là, et donc c'est très dangereux pour la stabilité. Je vous rappelle qu'ils ont des armes nucléaires, et qu'il y en a sûrement une ou deux qui ciblent la Tunisie. Donc, vraisemblablement, c'est logique, ils en ont même certaines qui ciblent l'Italie. Donc, on n'a pas de preuves, mais quand un pays s'effondre, qu'il est dirigé par des fous, et que la population d'ailleurs ne soutient pas, il faut le dire, hein, c'est important de dire que la population israélienne ne soutient pas son gouvernement, je ferme bientôt la parenthèse, mais voilà, il faut se méfier de la folie. Je veux dire, si l'Allemagne nazie avait eu, je ne fais pas de comparaison entre Netanyahou et Hitler, mais... si l'Allemagne nazie avait des armes nucléaires avec des missiles pour les envoyer en 1945, juste avant la chute du bunker, il les aurait probablement balancés sur Londres, Moscou et tous les autres pays qui pouvaient. Hein. Donc méfiez-vous. Donc il faut la paix, il faut œuvrer pour la paix. Il faut œuvrer pour la paix et donc, vous voyez, l'Empire américain s'effondre, il pourrait s'effondrer, non pas pacifiquement comme s'est effondré l'Union soviétique, mais il pourrait s'effondrer en essayant de donner des coups dans tous les sens. Des coups... de missiles et de bombardements et de déstabilisation. Donc, le pays devrait être capable, donc, pour en revenir à la Tunisie, et c'est un conseil que je donne à tous les pays qui m'écoutent, tous les gens qui m'écoutent dans tous les pays, c'est de se préparer au niveau individuel, mais aussi au niveau de la nation, à faire face à ce genre de crise qui pourrait durer 3 mois, 6 mois, une année, 2 ans. Et donc d'avoir des réserves, d'avoir de quoi être autonome, d'avoir de quoi tenir le coup, d'avoir des compétences pour avoir des métiers qui fonctionnent aussi si l'international n'existe plus. Si tout d'un coup, pendant 3 ans, vous ne pouvez plus voyager, il n'y a plus de tourisme, il n'y a plus le moyen d'aller voir vos enfants qui travaillent à Paris, Berlin, Londres ou Genève, et que les communications ne fonctionnent plus pendant 2 ou 3 ans, est-ce que vous avez de quoi tenir le coup émotionnellement? Alors ça, c'est pour ça que j'écris mon dernier livre sur la peur, mais aussi physiquement, matériellement, est-ce que vous avez de quoi tenir le coup? Et donc ça nécessite les amitiés, les liens, les métiers. Alors sur les amitiés, c'est peut-être le point fort de la Tunisie, c'est que c'est un pays où la famille est encore importante, les traditions sont encore importantes, y compris dans les classes les plus libérales de la population. Le lien avec la maman, le cousin, la grand-mère, les gens qui sont capables de produire... qui font la bonne salade tunisoise, le pêcheur qui va amener du thon. Bref, ce lien clanique, familial, tribal parfois dans le sud du pays par exemple, c'est ce qui a toujours permis la survie et le fait qu'ils soient encore existants et présents dans votre beau pays qu'est la Tunisie, c'est une force. Et donc, je vous encourage à l'entretenir. Donc, soyez gentil avec votre cousin, même s'il y a un cousin un peu teubé. Il faut être gentil avec tout le monde dans votre famille. On a tous des cousins teubés dans nos familles, partout. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je plaisante, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, essayez de travailler ces liens. Donc, moi, je vous donne quelques pistes dans mes livres. Donc, je vous encourage, je remettrai le lien ci-dessous. Je vous encourage à aller voir ces liens. Et puis, voilà, vous avez aussi un pays avec une armée
D'un point de vue interne, elle a joué son rôle plusieurs fois ces dernières années. La police est nombreuse, donc voilà. Utilisez aussi vos amis, vos contacts dans ces corps institués pour faire en sorte que le pays ne tombe pas dans le chaos s'il devait y avoir cette crise internationale qui pourrait arriver. Et si elle va arriver, c'est... En tout cas, on a bien vu que les tensions internationales augmentent. Nous avons vu l'inflation, nous avons vu tout ce que j'avais écrit dans mon livre, déjà en 2011, dans mon premier livre, eh bien, arrive maintenant. Et nous y sommes. Nous sommes face à cet effondrement économique dont je parle. Espérons tous qu'il soit le plus petit et le plus facile à traverser possible, hein, n'est-ce pas? Parce que moi, je ne suis pas un prophète de malheur. Je dis ce que je pense va arriver et les preuves montrent que ça arrive. Mais je souhaite à tous, moi le premier, mais à vous aussi, de vous en sortir et de traverser ça correctement. Donc, je vous enjoins, si vous lisez l'arabe, de vous procurer mon livre « Survivre à l'effondrement économique » en arabe. Si vous êtes au Maghreb, de le lire dans la version maghrébine. Et si vous êtes ailleurs, achetez-le sur Amazon ou dans une librairie, ou en ligne ou en physique. Là où vous pouvez, il vous donnera, ce livre et les autres, les outils et les manières de vous préparer pour être plus fort, et même peut-être savoir profiter de cet effondrement pour peut-être pas faire fortune, mais en tout cas survivre, mais peut-être prospérer un petit peu. Parce que là, dans les crises, il y a toujours des opportunités. Je vous remercie beaucoup, aslam à mes amis, et on se retrouvera, peut-être pas sur une plage, mais en tout cas dans mes montagnes suisses. À très bientôt, préparez-vous, ciao. Я лично.